Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il s'agit de quand j'étais puni. Alors quand j'étais puni, Nathalie, ma voisine, suivez avec moi s'il vous plaît. Nathalie, ma voisine, m'a regardé de travers. Elle a chuchoté. On a tous fait la punition. Et toi, pas moi. J'ai fini hier à 8 heures. J'ai même pas pu regarder la télé. C'est de ta faute. C'est pas juste. Vraiment pas juste. Alors là, c'est moi qui me suis mis en colère très fort. Comme papa. Si, c'est juste toi dans le couloir. Tu as fait du bruit et tu étais dans la bousculade. Moi, je n'y étais pas. J'étais au cabinet et j'avais même demandé l'autorisation. Alors toi, tu as fait ta punition et moi, je n'avais pas à la faire. Je lui aurais bien dit un gros mot en plus. Mais ça, c'est interdit. Alors, je ne l'ai pas dit. Mais je l'ai pensé très fort et je n'ai plus parlé à Nathalie. Alors, encore une fois, suivez avec moi, il disait, Nathalie, ma voisine, m'a regardé de travers. Elle a chuchoté. On a tous fait la punition et toi, pas moi. Moi, j'ai fini hier à 8 heures et j'ai même pas pu regarder la télé. C'est de ta faute. C'est pas juste. Vraiment pas juste. Alors là, c'est moi qui me suis mis en colère très fort, comme papa. Si, c'est juste toi dans le couloir, tu as fait du bruit et tu étais dans la bousculade. Moi, je n'y étais pas, j'étais au cabinet, j'avais même demandé l'autorisation. Alors toi, tu as fait ta punition et moi, je n'avais pas à la faire. Je lui aurais bien dit un gros mot en plus, mais ça... C'est interdit. Alors je ne l'ai pas dit. Mais je l'ai pensé très fort et je n'ai plus parlé à Nathalie. Voilà. C'est l'histoire de quand j'étais puni.